Bonjour à tous, je suis Caroline Giroux, responsable ressources humaines pour le groupe Family Plus. Donc Family Plus, c'est 6 agences, 5 agences sur la région lyonnaise et une agence sur Villefranche. Donc nous sommes spécialisés dans les services à la personne et plus particulièrement donc le ménage repassage et la garde d'enfants à domicile. Alors si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est parce que nous avons de nombreux postes à pourvoir, notamment donc en garde d'enfants. Donc nous recherchons à partir du mois de mai et pour terminer l'année scolaire, donc jusqu'à début juillet, des personnes disponibles pour notre poste de garde d'enfants périscolaire. Donc ça consiste à aller récupérer les enfants à la sortie de l'école, le plus souvent donc à partir de 16h30, et faire avec eux donc les trajets pour les raccompagner au domicile de leurs parents et les garder à domicile jusqu'au retour des parents. Donc ce poste représente environ 8 à 15 heures par semaine, tout dépend si le mercredi est travaillé ou non. Nous avons également des postes à pourvoir pour la période de juillet, août et ou septembre. Donc là, on est aussi plutôt sur du périscolaire, donc du temps partiel, plutôt pour aller chercher les enfants à la sortie du centre de loisirs ou à la sortie de la crèche, et toujours pour les garder donc jusqu'au retour des parents. Il peut y avoir aussi des demandes sur des journées complètes en fonction des demandes de nos familles clientes. Alors ces postes-là sont en CDI avec une rémunération donc au SMIC, avec une possibilité de majoration si vous avez un diplôme en lien avec le poste, et puis bien sûr une indemnité pour vos frais kilométriques ou vos frais de transport en commun. Pour ces postes, nous recherchons donc des personnes qui ont déjà une première expérience, donc une expérience en dehors du cadre familial, bénévoles ou professionnels, des personnes qui aiment bien sûr s'occuper des enfants, qui prennent plaisir à partager des activités avec eux, à prendre soin, à participer à l'éveil et au bien-être des enfants. Et ces postes peuvent éventuellement continuer sur l'année scolaire à venir, donc l'année scolaire 2020-2021. On a de nombreux postes à pourvoir aussi en période de rentrée, des postes qui peuvent s'adapter à votre emploi du temps, donc même si vous êtes disponible que 2 soirs par semaine. Et puis pour tous ceux qui sont disponibles à partir de cet été et qui ont aussi envie de se professionnaliser, on recherche aussi donc des alternants. On a 65 postes à pourvoir pour de l'alternance pour préparer le CAP AEPE. Donc le CAP AEPE, c'est le CAP accompagnant éducatif petite enfance qui vous permet de vous professionnaliser au métier de la petite enfance. Donc on propose ce CAP en 1 an avec notre partenaire, le centre de formation ASAF. Donc là, c'est à pourvoir à partir du mois de juin et pour une année, donc jusqu'à juillet l'année prochaine. Si vous êtes intéressé donc, par ce poste, il est en CDD, c'est un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. Et voilà, vous aurez un entretien avec l'agence Family Plus et également avec le centre de formation qui testera votre niveau scolaire. Si tous ces postes vous intéressent, vous pouvez postuler donc à recrutement@familyplus.fr ou bien directement sur notre site internet familyplus.fr. Voilà, j'espère vous voir bientôt. À bientôt.